Jin, tu m'as trouvé. Tu t'en es bien sorti. J'aurais dû l'entendre arriver. Je me suis laissé déconcentrer. Ces gens ont vu des Mongols emmener des prisonniers en amont de la rivière. Un forgeron était parmi eux. Ton frère ? On dirait, oui. Il le conduisait à un camp, près de la crique de Kaneda. Je connais ce lieu. Tu as trouvé des samouraïs pour libérer ton oncle ? J'ai trouvé deux guerriers, Ishikawa Sensei et Dame Masako Adachi. Tu n'as pas chômé ? Taka pourra t'aider, une fois qu'on l'aura sauvé. Du mal à croire que je vais bientôt le revoir. Il a de la chance de t'avoir. Il ne serait peut-être pas de cet avis. Les frères sont comme ça. Et toi d'ailleurs ? Tu as des frères et sœurs ? Le seigneur Shimura est ma seule famille. Que feras-tu une fois qu'il sera libre ? Je pourrai enfin souffler, car je saurai qu'il reste de l'espoir pour notre île. Tu as confiance en lui ? Je l'ai vu remporter des batailles qui semblaient perdues d'avance. Une fois ton frère libre, que ferez-vous ? Honnêtement, je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Tu sembles à l'aise ? Tes blessures vont mieux ? Elles sont presque guéries. Les bandages ont été efficaces. Tu n'es pas vraiment du genre à te confier. Je me trompe ? Non, en effet. Mon oncle m'a enseigné qu'un samouraï devait maîtriser ses émotions, comme on maîtrise un cheval ou une lame. Ce n'est pas une vie facile. Elle n'est pas censée l'être. Voilà le camp. Ça ne sera pas facile d'entrer. Les Mongols ont monté ce camp quelques jours seulement. Il doit y avoir une faille. Allons voir. Il faut qu'on atteigne Taka, mais sans le mettre en danger. Nous trouverons comment faire. À l'arrière, les défenses sont solides. On pourrait escalader les rochers par là. Ils risqueraient de basculer sous notre poids et d'alerter les gardes. Le mur de devant n'est pas encore terminé. On pourrait passer par là. Nous devons trouver un trou dans le mur d'enceinte, et nous y faufiler. Et exécuter les Mongols sur le champ. Si jamais ils sont alertés, ils abattront les prisonniers. Je les ai déjà vus faire. Nous devrons y aller discrètement. Comme des voleurs ? Quel mal y aurait-il ? Avant les samouraïs, cette île était en proie à des bandits. Nous y avons rétabli l'ordre. Et nous avons instauré la justice. Nous vivons selon un code d'honneur. Parfois même, nous en mourrons. Les guerriers, comme mon père, voulaient faire de l'île un endroit plus sûr. Je veux la même chose. Mais nous nous devons de riposter. J'ai promis à mon oncle de ne jamais briser ce code. Alors contourne-le. Pour sauver ma famille. Et ce qu'il reste de la tienne. Allons jeter un œil. Étudier la situation. Attendons qu'il fasse plus sombre. Allons-y. Taka, il n'a pas eu une vie facile, même avant l'invasion. Mais tu t'es occupé de lui. Il fallait bien. Il détestait que je vole. Mais c'était ça, ou mourir de faim. Je n'avais pas le choix. Je n'ai pas choisi d'être un samouraï non plus. Mais devoir ignorer mon instinct, mon code... C'est toujours mieux que de se faire massacrer par les Mongols. Nous devons nous battre, de toutes nos forces. Par ici. S'ils nous voient, ils tueront les prisonniers. Dans ce cas, restons discrets. Et tranchons-leur la gorge. Ah !
peux-tu me dire, Jin? L'ours est blessé à une patte. Votre flèche l'a touché. Blesser un animal redouble de férocité. Ouvre l'œil. Oui, mon oncle. Continue à le suivre. Je ne savais pas qu'il y avait des ours ici. Il n'y en a pas d'ordinaire. Les affrontements à Yarikawa les ont délogés. C'est la faute des rebelles. Ils mériteraient qu'on les jette en pâture à cet ours. Nous ne sommes pas des barbares, Jin. L'ours est tombé ici. Est-il mourant ? Non, mais il n'est plus très loin. Tiens-toi prêt, Jin. Oui, mon oncle. S'il est toujours vivant, pourrais-je l'abattre ? Prouve que tu peux contrôler tes émotions. Ensuite, nous verrons. On l'a eu. Attention, il est peut-être encore en vie. Cette flèche n'a pas pu suffire à le tuer. Regardez, mon oncle. Il a une blessure au flanc. Ce n'est pas une flèche. Un assassin! De Yarikawa! Traître! Tu poignarderais le Tito dans le dos! Seigneur Sakai! Contrôle ta colère. Nous ne sommes pas des criminels, comme l'homme qui est là. Nous sommes des samouraïs. Il a essayé de vous tuer. Il faut qu'il paye pour son crime. De sa vie. Regarde-le dans les yeux. Qu'il sache qu'un samouraï ne cède jamais à la colère ou à la peur. Et prend sa vie. Avec honneur. Combattons. Nous faisons face à notre ennemi. Et quand nous prenons sa vie, nous le regardons dans les yeux, avec courage et respect. C'est ce qui fait de nous des samouraïs. Seuls les lâches frappent sans montrer leur visage. Jin, ça ne va pas. Allons trouver ton frère. Il ne faut pas qu'il nous voie. Serre-toi de tous tes sens. Pense et avance comme un voleur. Là, un prisonnier. Taka ? Allons voir. Non, ce n'est pas Taka. Comment êtes-vous entré ? Il faut partir. Nous discuterons plus tard. Allez. Allons à la rivière. C'est plus sûr. Vous faites partie des chapeaux de paille ? Je l'étais. Je suis parti quand ils ont commencé à manquer de rations. Le seigneur Shimura a été capturé, et j'ai besoin de guerriers pour le libérer. Vous cherchez du travail ? Non. Mais les autres chapeaux de paille, peut-être. Aux dernières nouvelles, ils chassaient les Mongols dans la préfecture de Tsutsu.
sur la côte, près des prairies de Kishi. Ils ont emmené les esclaves quelque part. Où ? Ils ont parlé du village d'Azamo. Et il y avait un forgeron dans le dernier groupe. Un jeune barbu, de Yarikawa, je crois. J'espère que c'est vrai. Je vous souhaite de trouver votre forgeron. Taka est en vie. Il se trouve à Azamo. La ville est entourée de murailles. Si nous partons à l'aveugle, c'est lui qui en paiera le prix. J'ai un ami qui pourrait nous aider à pénétrer dans le village. Trouve-le. Plus vite nous sauverons Taka, plus vite nous libérerons mon oncle. Jin. Taka te forgera n'importe quel outil dès qu'il sera libre. Mais après ça, lui et moi quitterons l'île. Tu as vu ce que les Mongols font ici. Le seigneur Shimura peut les arrêter. Reste. Aide-nous à défendre notre terre. Ma terre sera là où nous irons, Taka et moi. Mon ami vit dans la préfecture d'Azamo, à la limite de Tsutsu. Je t'y rejoindrai. Je sais qu'il n'était pas facile de te dresser contre ton code. Je devais le faire. Merci. Seigneur Shimura, vous ne devriez pas vous trouver là. Convainquez vos hommes d'arrêter de résister, et dans ce cas, vous serez libre. Vous me faites perdre mon temps. Tuez-moi. Vous pensez avoir tout perdu. Mais votre neveu est toujours en vie. Jin. Mes hommes contrôlent les routes. Ils montent des camps de guerre près des villages. Mes soldats sont partout. Et ils le trouveront. Le seigneur Sakai se battra jusqu'à la mort. Tout comme moi. Vous l'aimez. Comme vous aimez vos hommes. Vous êtes un père pour eux. Allez-vous abandonner vos enfants ? Mes hommes ne seront jamais vos esclaves. Thank you.